Et salut tout le monde, c'est Mastermind et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Lego Marvel Super Heroes 2 dans lequel on va explorer Chronopolis. Alors pour info, je suis à la moitié du mode histoire et là je dois faire une mission sur Attilade. Mais je me suis dit, on va d'abord explorer un peu le monde ouvert, voilà. Alors, le monde ouvert il est vraiment très très vaste, hein. Il y a vraiment beaucoup de zones en même temps. Et c'est délimité par des montagnes au loin apparemment, ok. Donc ici vous avez l'Empire Hydra. Et d'ailleurs si vous regardez bien, si vous regardez depuis en haut, bah en fait ça forme le logo de l'Hydra. Ce qui est vraiment assez énorme, regardez-moi ça. Vraiment j'adore comment c'est fait, c'est juste incroyable. Ensuite, ici nous avons bah, l'Empire Hydra. Ensuite, à côté, pile poil à côté, nous avons le Manhattan classique, je crois, si je me trompe pas. Je crois, hein. Ouais, le Manhattan. Peut-être, ah non, au milieu là, il y a Kunlun. Voilà, il y a Kunlun. Je crois, si je me trompe pas. Ouais, Kunlun, voilà. Ici, vous avez le Manhattan. Qui est... il y a de la neige, voilà. Il y a de la neige au Manhattan. C'est génial. Je sais pas pourquoi ils ont mis de la neige, en fait. Peut-être parce que, tout simplement, dans les deux premiers jeux, c'était... il faisait beau temps. Donc voilà. Là-bas, vous avez le manoir des Avengers. Ok. Ici, vous avez le Wakanda, qui est juste à côté du Manhattan. La logique. D'ailleurs, les chapeaux, là, je crois qu'il faut les détruire, ou un truc comme ça. Mais bon, on va faire ça plus tard. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Alors, bien entendu, cette fois, comme dans le jeu précédent, il y a des crimes dans la ville à combattre. Voilà, faut juste combattre quelques ennemis. Angleterre médiévale, ici, juste à côté, génial. C'est joli, je trouve. Il pleut. C'est sympa. Ensuite. Oula, votre roi demande votre assistance. Pas encore, pas tout de suite. Ici, je crois que vous avez... Alors, ici, vous avez, à côté de l'Angleterre médiévale, une ville du futur, je crois que c'est New York du futur en 2099, voilà. Nueva York, je crois que c'est ça, si je me trompe pas. Ensuite, on peut passer par là, oui, on peut. Vous ou l'un de vos proches avez été affecté par le symbiote. Il y a l'agent Venom, d'accord, ok. Ici, vous avez le sort de colisée de Thor Ragnarok, et je crois que la zone s'appelle Sakaar, si je me trompe pas. Est-ce que ça s'appelle Sakaar? Peut-être que je me trompe, hein. Mais je crois que ça s'appelle Sakaar. Oui, Sakaar, ok. Parfait. À côté de Sakaar, vous avez Asgard. Voilà, Asgard en destruction. Voilà. C'est... Tout est détruit. Regardez le pont d'arc-en-ciel. Là, il y a des trous dedans. Je veux dire, pourquoi pas, hein, mais c'est bizarre. Bon, alors, faut pas rentrer dans ces trucs parce que ça vous enlève la vie. Ici, vous avez je sais pas quoi. Xandar, je crois, ça s'appelle. Si je me trompe pas, Xandar, voilà, Xandar, là on a fait le premier niveau, c'est joli, il y a des palmiers, je suis pas sûr que ce soit des palmiers, mais c'est pas grave. Là-bas, il y a une zone où on peut pas encore y accéder, bizarrement, je sais pas pourquoi, parce que je veux dire que c'est pas parce que j'ai pas fait le niveau, parce qu'il y a des endroits où j'ai pas encore fait le niveau, on peut déjà y accéder, donc c'est pas très logique. Ici, qu'est-ce que vous avez? Ah, le Far West, oui, le Far West, alors... juste passer le vol est très lent. C'est très bizarre. Ok, le Far West ici, parfait. C'est pas forcément super intéressant, mais c'est bien qu'il ait ajouté. Voilà, donc le Far West, génial. Des tas de montagnes, de rochers, de je sais pas quoi. À côté du Far West, vous avez l'Egypte, je crois. Oui, l'ancienne Egypte. Là-bas, il n'y a rien. Enfin, là-bas, on peut pas encore y accéder. Apparemment, vous avez l'ancienne Egypte. Donc voilà, avec le Sphinx et tout, c'est pas mal. Ah, tiens, le Sphinx a aussi un chapeau, ok. Apparemment, tout le monde a des chapeaux ici, c'est génial. Ensuite, ah, on est de retour à l'Empire Hydra. Il y a des trucs qu'on n'a pas encore vu, je crois, oui. Ici, au milieu, vous avez Noir New York. Voilà, vous avez ou New York Noir en français, Manhattan Noir, ok. Bon, c'est pas grave, c'est la même chose. Enfin, pas exactement, mais quand même, c'est très ressemblant. Et puis je crois qu'on n'a pas encore vu la statue de la liberté. Hein, là-bas, ouais, exactement. Vous avez la statue de la liberté. Ok. Allons-y. Approchons-nous. What the... Ok. Non seulement Kang... Ah, donc, ok, d'accord. Parce qu'avant, il manquait un œil. Je me suis dit quoi. Non, mais c'est la statue de Kang maintenant. Et d'ailleurs, bien entendu... La statue de la liberté a aussi un chapeau. Ah. C'est... Ok. Pas de problème. Ok.
Donc voilà, c'est à peu près Chronopolis dans son... Ah non, pas encore. Il y a encore... Il y a des types qui causent problème. J'oublie tout le temps en haut, en fait. Oh, ils me rendent chèvre. J'oublie tout le temps qu'on peut encore aller en haut. Voilà. Donc en haut, c'est la cité d'Attilan, je crois. Ah oui, bien entendu, il y a la citadelle de Kang au milieu. On peut pas encore y accéder parce que le bouclier n'est pas encore désactivé. Ce qui reste logique. Mais la citadelle, elle est vraiment super bien faite, je trouve. Je sais pas si c'est ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est vraiment super bien fait. D'ailleurs, vite, viens là. Viens vers la caméra un petit peu. Voilà, hop. Voilà. Ok. Vite, lève-toi. Enfin, pas lève-toi. Monte. Monte plus. Hop. Ok, c'est joli. C'est très joli. D'ailleurs, oui, on peut bien avoir... on peut avoir une belle vue sur Chronopolis d'ici. Mais la cité du haut, c'est la cité qui est dans Inhumans, je crois, si je me trompe pas. Si j'ai fait... Si je me rappelle bien de mes recherches. Non, pas la citadelle de Kang. Je crois que ça s'appelle comment déjà? Attilan. Attilan, exactement. Donc ça aussi, c'est très très joli. Hein. Ça, c'est pareil. Très futuriste, etc. Donc c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, depuis cette cité-là, si on se met ici, au bord, ici, voilà, on peut avoir une très belle vue sur Chronopolis. C'est pas forcément celui-là, je crois que c'était l'autre. Parce qu'il faut vraiment trouver le truc qui est centré, voilà. J'ai entendu parler d'un nouvel ami potentiel de la Tour de la Sagesse. Ok. D'ailleurs, là, il y a des trucs verts, c'est pas forcément joli, mais là, à partir de là, vous pouvez voir, waouh, très très joli, hein, vraiment, Chronopolis. Alors, justement, quand ils ont démontré ça à l'E3, j'ai cru que ce serait moche et tout, mais apparemment, non, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est vraiment, vraiment pas mal. Donc voilà, vous voyez, c'est très très, très très nouveau, quoi, parce que c'est vrai qu'on a eu deux fois du Manhattan. Et cette fois, je crois que c'est vraiment bien qu'ils aient choisi quelque chose de nouveau. Donc voilà. Ah oui, juste avant de terminer la vidéo, on allait juste aller voir le manoir des Avengers. Parce que dedans, il y a des trucs intéressants aussi. Et puis après, on va terminer la vidéo. Non. Continue. Ok. Continue. Voilà, parfait. Parce que bizarrement, c'était bloqué. Je sais pas pourquoi. Alors, au cas où vous vous demandez ce que c'est que le point d'interrogation, là, d'exclamation, pardon, c'est parce que, en fait, je suis en plein milieu du mode histoire, comme j'ai dit, et puis, j'ai pas encore tout à fait terminé, voilà. Ok, je crois que le manoir est ici, exactement. Donc. Ok, parfait. Hop, atterri. J'ai relevé un crime près de ton emplacement. C'est bon, on s'en fiche. Ok, donc, vous avez l'entrée ici. Ensuite, en haut, vous avez des trucs, je crois. Vous avez notamment... c'est quoi ça, d'ailleurs? C'est pour voir les trophées ou un truc comme ça? Salle des trophées, ok. C'est les mini-kits, ok. C'est pour le visualisateur de mini-kits, salle des trophées, voilà. C'est joli. C'est joli. De ce côté-là, vous avez rien du tout. Ensuite, vous avez aussi la chambre de Gwenpool. Comme la chambre de Deadpool dans le premier Lego Marvel, mais cette fois c'est Gwenpool. Bonjour, voilà. Ok, Gwenpool. D'ailleurs, est-ce que je peux acheter une brique rouge? Elles sont toutes extra. Une seule, ça suffit pas. Oh, pièce x2. Ok, j'achète pièce x2. C'est parti. Voilà, pièce x2. Maintenant, on va l'activer tout de suite. Voyons. Extra. Non, pas option. Extra. Pièce x2. Oui. Parfait. On va continuer. Et comme ça, on a les pièces x2. Génial. Ensuite, on va descendre. Et alors, je sais pas qu'est-ce que c'est ici. D'accord, c'est un salon. Ok, pourquoi pas. C'est un salon. Et puis, de l'autre côté, en bas, vous avez l'ordinateur, je crois, central. L'ordinateur central. Et centre de commandement, ça s'appelle. Ok. Ok, ça, je pense que ce sera pour choisir les niveaux, etc. Y a beaucoup de bruit en bas, c'est incroyable. Je sais pas, les ordi du futur ne sont pas censés faire du bruit, mais c'est pas grave. Ici, vous avez ce que je préfère, le customisateur de personnages. C'est quoi ce truc d'ailleurs?
Je sais même pas ce que c'est. Mais bon, là vous avez le customisateur. Donc voilà. Donc c'est le manoir des Avengers. Je crois que j'ai rien raté. Peut-être que et si. Toi, avec le visage. Viens ici. Ah, ça c'est pour l'arène. Ça c'est pour les arènes du Grandmaster. Donc voilà, c'est parfait. Donc je pense qu'il est temps de terminer cette vidéo. On va commencer bien entendu les missions une fois qu'on a terminé le mode histoire. On va commencer ça dans le mode libre. Donc voilà. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.